Un pays européen intègre le tournoi international en Algérie. Le public algérien avait bien accueilli l'idée que l'Algérie abrite un tournoi amical international avec des équipes de divers horizons. Mais récemment, l'on apprit que la Fédération albanaise de football a fait savoir à son homologue algérienne que l'équipe d'Albanie ne participerait pas au tournoi en question. La raison de cette annulation n'a pas été rendue publique, ni par les Albanais, ni par les responsables du football algérien. Mais voilà, la Fédération algérienne de football n'est pas restée sans rien faire et a dû activer pour trouver un remplaçant pour la sélection albanaise, et de préférence qu'il soit européen. Elle a fini par trouver une nouvelle sélection pour participer au tournoi international d'Algérie, en l'occurrence la sélection nationale d'Andorre, cette petite principauté coincée entre la France et l'Espagne et qui compte environ 80 000 habitants. Il est utile de rappeler que le tournoi international d'Algérie est programmé pour la fenêtre internationale du mois de mars. Il aura donc lieu du 18 au 26 mars dans 3 stades algériens, 2 à Alger et un troisième à Annaba. Selon le programme des rencontres, il aura lieu au stade Nelson Mandela d'Alger, au stade du 5 juillet et au stade du 19 mai 1956 de Annaba.